la cité que l'Éternel a préparée pour nous. Là, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de corona. La Russie ne sera pas là non plus. Hein? Ah. Que le Seigneur vous bénisse encore. Est-ce que vous allez dans la joie? Seigneur pour l'occasion et qui me permet de me tenir devant vous. Et je ne pouvais pas être aussi ingrat à l'égard de notre pasteur qui m'a donné l'opportunité de parler devant son peuple. Parce que vous êtes le peuple que Dieu a donné à cet homme et il nous a permis de parler devant vous. Que le Seigneur le bénisse beaucoup. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Ésaïe, chapitre 1er. Et après, nous allons prendre Matthieu, chapitre 13, verset 17. Mais nous commençons dans Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er, les premiers chapitres d'Ésaïe. Le verset 18. La Bible dit: Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. 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 Matthieu chapitre 13. Matthieu 13, le verset 17. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. 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 Je demande au pasteur de venir prier pour nous. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, Père, que nous venons de lire ta parole. La Bible dit qu'il soit béni celui qui lit et qu'il soit béni ceux qui l'écoutent. Que cela soit ainsi, Seigneur, ce matin. Et nous te délions, Père, que l'Éternel s'écoute, que tu sois l'hôte invisible en ce lieu, que tu enlèves tout ce qui est de l'homme et que tu puisses prendre la prééminence en toutes choses et surtout, et que tu sois aussi dans ton serviteur pour que ce qui sortira soit la vie pour tes enfants. Amen. Bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur et qu'il bénisse aussi ceux qui nous suivent dans la quatrième dimension. Bien, ce matin, nous aimerions parler sur un autre sujet, sur une conférence avec Dieu. C'est un message du frère Branham, il a prêché ce message et notre pasteur l'a aussi déjà prêché ici. Peut-être vous l'avez déjà aussi écouté. Peut-être je ne parlerai pas comme le pasteur l'a prêché, comme le frère Branham l'a prêché, mais l'essentiel que nous puissions transmettre, c'est que Dieu veut que vous puissiez écouter. Amen. 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 Mais pendant la semaine, comme le disait le pasteur, on parlait sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie, et nous avons pris comme sujet les trois rideaux du temps. Et là, le frère Branham nous montrait que non, il y a trois rideaux du temps. Et nous avons essayé de montrer pour faire un récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Et après, nous allons rentrer dans notre sujet de ce matin. Donc, le faux Branham parla sur les trois rideaux du temps, c'est écrit même au tableau. Nous avons montré que non, il y avait trois rideaux. Les premiers rideaux, c'était les rideaux des bambous qui représentaient la Chine. Et les deuxièmes rideaux, c'était les rideaux de fer, c'est la Russie. Et les troisièmes rideaux, c'était les rideaux de pourpre. Et le frère Branham nous a montré que non, ces trois rideaux, ce ne sont pas les rideaux pour la décoration de la maison. Non, mais ce sont les rideaux qui sont comme des poteaux indicateurs. Quand nous voyons ces rideaux arriver, nous en tant que l'Église, ce que nous devons faire, c'est de lever les yeux et de voir que notre rédemption est proche. Parce que ce sont des signes qui nous montrent déjà que non, le Seigneur est à la porte. C'est pourquoi il y a la présence de ces trois rideaux. Et nous avons vu que non, dans les trois rideaux,
Les premiers rideaux qui est là, les rideaux de Chine. Donc madame nous a montré que non, le soleil s'élève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Amen. Et maintenant, quand le même soleil est en train de repartir à l'est, là où ça a commencé, nous voyons que là, les pays de la Chine, qui est la plus grande ou la plus vieille civilisation, est en train de monter en puissance. Amen. Donc si hier la Chine était négligée, mais sachez-le qu'aujourd'hui la Chine, c'est une puissance économique et une puissance militaire non négligeable. Amen. Quand il y a des choses à prendre, des décisions à prendre, la Chine est inclue dedans. Donc tout ce que nous consommons, nous avons montré que non, tout ce que nous consommons, cela vient d'où? De la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine a une main-d'œuvre abondante et moins chère. Et c'est pourquoi même les Européens, quand ils veulent faire commander leurs histoires, ils les commandent de la Chine. Donc c'est la Chine qui fait tout pour nous envoyer. Et la Chine envahit tout. Et le frère Branham, en montrant dans ses rideaux, il dit que non, ce sont des gens, des peuples qui sont horribles. Ils sont partout aujourd'hui dans le monde. Et nous avons vu, les deuxièmes rideaux, c'était les rideaux de fer. Et les rideaux de fer, c'est la Russie. Vous le savez tous, frère Branham nous disait d'observer les rois du Nord, d'observer la Russie. Et le pasteur a ajouté un élément le vendredi, quand j'ai fini, il a dit, aujourd'hui nous ne pouvons plus observer parce que la Russie doit s'élever. Amen. Elle est déjà là. Amen. Quand le faux Branham disait observer, ça c'était à son époque. Amen. Là c'était le communisme qui était là-bas. Amen. Là on ne parlait pas de la Russie, c'était le communisme qui était là. Mais aujourd'hui, ce qu'il avait dit comme prophétie s'est accompli. Amen. Donc vous et moi, nous sommes en train de vivre ce que le frère Branham parlait. Donc aujourd'hui, nous ne allons pas observer la Russie, mais nous sommes en train de les voir en train d'agir. Amen. 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 Donc la Chine, la Russie est là aujourd'hui, il s'est levé, il est déjà là. Amen. Donc le frère Branham l'avait prophétisé. Nous avons lu dans Matthieu 13, la Bible dit que non, les prophètes, et les hommes de Dieu ont désiré de voir ce que vous voyez maintenant. Amen. Mais ils ont salué ça de loin. Amen. Mais toi et moi, nous sommes en train de voir cela aujourd'hui. Amen. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez cet après-midi. Amen. Mais ils ont entendu ça simplement de loin. Amen. Parce que Dieu a dit à Daniel, Daniel, repose-toi. Ces choses-là sont pour Salem. Ces choses-là sont pour Goshen. Ces choses-là sont pour André et Issako. Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de voir et de vivre ces choses-là. Amen. Alors que c'était des prophéties pour Daniel. Daniel désirait voir ça. Mais aujourd'hui, Daniel a vu ça de loin. Il a salué et il est parti en repos. Maintenant, quelle est l'attitude que toi et moi, nous devons avoir aujourd'hui quand nous voyons ces choses s'accomplir? Alors que quand Daniel a vu, il savait que non, le temps n'était plus. La Bible dit que non, Daniel est rentré où? Dans la prière. Daniel est rentré dans la méditation. Daniel est rentré dans des jeûnes. Mais qu'en est-il de toi et moi aujourd'hui? Quand nous voyons toutes ces choses-là s'accomplir, quand nous voyons les prophéties de Dieu qu'il a annoncées est en train de s'accomplir devant nos yeux, sommes-nous indifférents ou comment? Ou sommes-nous simplement devenir à l'église pour devenir des membres des églises? Alors que nous sommes en train de voir la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir. Amen. Amen. Donc le faux Branham est en train, quand nous voyons ces rideaux-là, ça doit attirer l'attention de l'épouse. Amen. Pour savoir que le temps n'est plus. Amen. Le temps n'est plus dans les choses de ce monde. Amen. Ou d'investir dans les choses de ce monde, mais c'est d'investir dans les choses de Dieu. Amen. Ça, c'était les rideaux de fer qu'elle a reçus. Et il y avait un troisième rideau, c'était les rideaux de pourpre. Les rideaux de pourpre, c'était Rome, c'était ce Vatican, l'Antichrist. Et Frère Branham dit que ces rideaux, le troisième rideau, c'est le plus cruel de tous les rideaux que nous connaissons. Amen. Il dit que n'observez plus les rideaux de bambou qu'est la Chine, ne regardez plus au rideau de fer qu'est la Russie, Amen. Regardez plutôt au rideau de pourpre. Parce que c'est le rideau Amen. De la séduction. Amen. Ces rideaux de pourpre que l'Église Amen. Catholique hein, est en train de se passer comme une vraie Église. Amen. Et le frère Branham dit dans l'Apocalypse, quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que là, les chevals, celui qui montait les chevals, on a vu quelqu'un monter un cheval. Et il était sur un cheval blanc. Amen. Et même les prophètes de l'âge avaient confondu. Amen. Il lui a dit, quand il est venu à l'église, il a commencé à prêcher, il a dit que c'était Christ. Amen. Et Dieu l'appelle, il dit, viens Branham, regarde un peu bien. Amen. Quand William Branham a regardé dans les détails, il a vu que non,
Les cavaliers qui montaient ce cheval blanc avaient l'arc, mais n'avaient pas de flèche. Il dit, tu vois, ce n'est pas Christ, c'est son ennemi. Donc c'est le rideau de la séduction. C'est au rideau de pourpre que nous devons maintenant braquer nos yeux. Et nous, en tant que l'épouse, on ne regarde plus à la Russie, nous savons que la Russie est là. On ne regarde pas à la Chine est là. Mais nous regardons à celui-ci. Celui-là, la séduction, dont nos yeux doivent être braqués. Parce que c'est lui qui doit séduire, si c'était possible. Gloire à Dieu, parce qu'il n'est pas possible. Il n'est pas possible de séduire les élus. Parce que les élus, ils sont dans la section sang de Jésus-Christ. Et là, personne ne peut les séduire. C'est pourquoi le frère Balaam me dit de faire attention à ces rideaux ici. Écoutez ce qu'il a dit. On a dit beaucoup de citations, mais on n'aura pas le temps de revenir là-dessus. Ça, c'était juste pour vous dire, vous qui n'étiez pas là. Frère Balaam dit ceci dans la prédication, les appeler à sortir, c'est prêché les jeudi 9 janvier 1958, au paragraphe 23. Écoutez, il dit ceci. La Russie a des missiles qui nous amèneront tous à genoux. Il dit, c'est prêché en 1958, au paragraphe 23. La Russie a des missiles qui nous amèneront tous à genoux. Ainsi donc, nos hommes de science déclarent que nous avons 5 ans de retard par rapport à eux. Il nous faudra 5 ans pour les rattraper. Frère Banham continue, là, notre petit Spoutnik a failli à environ 3 pieds de la Terre. L'air a fait le tour du monde, voyage après voyage. Donc, quand les Américains ont lancé leur Spoutnik là-bas, ça fait juste ça, c'est parti et c'est retombé. Mais quand les Russes ont largué l'air, il a dit ça fait des voyages et voyages. Donc, les Russes étaient en avance de 5 ans. Ça, c'était en quelle année? Et bien maintenant, on est à plus de 60 ans plus tard. Imaginez maintenant le retard qu'il y a. Donc vous-même, vous calculez. Et il dit, notre petit Spoutnik a failli à environ 3 pieds de la Terre. L'air a fait le tour du monde, voyage après voyage. Qu'est-ce que cela nous dit? Frère Bana pose la question. Il répond lui-même, il dit, c'est Dieu qui dit à son Église. Donc vous êtes, quand nous voyons le Spoutnik, quand nous voyons le missile, quand nous voyons les rideaux ici, dont nous sommes en train de parler, Frère Bana nous pose la question. Il dit, qu'est-ce que cela nous dit? Il dit, c'est Dieu qui dit à son Église, hâte-toi de t'y réfugier. Car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. Qui doit arriver, c'est toi et moi. Amen. C'est Dieu qui attend que son Église démolisse les barrières dénominationnelles. Amen. Et qu'elle se rassemble pour une véritable effusion du Saint-Esprit. Amen. Qui va l'enlever dans la gloire. Amen. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Amen. Attendant que nous rassemblions. Amen. Donc ce que nous devons faire quand nous voyons les trois rideaux arriver, c'est-à-dire de nous hâter, de rechercher quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, cet après-midi, ta place est ici. Amen. Donc ce soir, nous n'allons pas sortir comme nous sommes rentrés, parce que nous voyons déjà que ces choses dont le prophète a parlé sont déjà là en train de s'accomplir. Amen. Il dit, paragraphe 24, il dit, Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera révélé du ciel, permettez-moi de terminer en disant ceci. Le Fils de l'homme est en train de se révéler maintenant. Amen. Du ciel. Cela viendra-t-il d'ici peu? Frère Branham, Frère Branham pose la question, peut-être que vous l'avez bien suivi, il a dit, cela viendra-t-il d'ici peu, Frère Branham? Frère Branham dit, c'est maintenant. Amen. Donc le Fils de l'homme ne viendra pas. Il est déjà venu. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez, c'est maintenant. Et j'espère que je n'aurai pas à rendre ceci si personnel. Amen. Dans cette réunion même. Amen. Mais votre esprit en vous, qui vous est donné par Dieu,
Dieu peut saisir ce dont je parle. Le Fils de l'homme est déjà venu de la gloire. Et il se révèle pendant les quelques dernières années à son Église dans la miséricorde, leur manifestant sa grande présence, accomplissant les mêmes œuvres qu'il avait accomplies lorsqu'il était ici sur terre, se révélant comme il l'a fait à Abraham. Avant la destruction, il est venu maintenant dans la miséricorde, il se révèle à l'Église. Amen. Cela a été raillé et ridiculisé, c'est-à-dire les gens se moquaient. Oui. La prochaine fois qu'il se révèle, ça sera dans le jugement sur le monde et les nations qui ont oublié et qui ont rejeté leur voie de grâce, ou plutôt leur jour de grâce. Donc, Frère Branham est en train de montrer ici que le Fils de l'homme, parce que la question était posée, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Quand on parle de revenir, c'est-à-dire qu'il était déjà là, maintenant il doit encore revenir pour la seconde fois. Et ici, Frère Branham est en train de dire, il y a un frère qui a dit, cela viendra, viendra-t-il d'ici peu, Frère Branham? Frère Branham dit non, c'est maintenant. Donc pendant que William Branham était dans la chair en train de prêcher, il est en train de révéler qui? Le Fils de l'homme. Parce qu'il dit que non, le dernier signe qu'Abraham fit, c'était quoi? C'était Dieu mangeant les farines de maïs, c'était Dieu buvant du lait. Et ce Dieu-là était sous quelle forme? Amen. Sous une forme humaine que Abraham a servi. Et le même Dieu qui était là à Abraham, Frère Branham est en train de dire que non, le même Dieu était là avec lui. Amen. Donc, le pasteur l'a donné tout un enseignement sur le Fils de l'homme ici à Agapao pour dire que les prophètes représentaient les Fils de l'homme. Amen. Donc, le Fils de l'homme était en train de se révéler à travers les prophètes. Amen. C'est les prophètes qui faisaient cela. Amen. Parce qu'il avait promis les signes du Messie avec les Juifs. Il a promis les signes du Messie. Il a fait les signes du Messie avec les Samaritains. Mais maintenant, il est resté un peuple. C'était les gentils que nous sommes. Amen. Et cela est accompli dans ces temps de la fin. Amen. C'est que le frère Branham est en train de dire. Donc, quand nous voyons cela arriver, c'est-à-dire nous devons nous hâter pour aller chercher le baptême du Saint-Esprit. Il se révèle à l'Église. Cela a été raillé. Et les gens, quand ils ont vu ça, ils vont commencer à rigoler ou à se moquer. Et dit, mais la prochaine fois qu'il se révèle, ça sera dans le jugement. Donc là, ça sera trop tard. Donc toi et moi, l'occasion nous est donnée maintenant. Quand nous voyons ces choses arriver, c'est à nous maintenant de nous presser pour recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand les jours mauvais arriveront, à ce moment-là, nous serons en sécurité. Parce que nous avons déjà le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui doit nous garder. Et nous, quand les jours mauvais vont, ça va passer sur les autres, mais nous serons protégés. Amen. Il dit, ils ont oublié Dieu et ils font la même chose qu'on avait fait à l'ange du Seigneur jadis, ridiculisant et raillant cela. Mais il est ici maintenant dans la miséricorde. Amen. Dans la prédication, une conférence, là c'est toujours pour vous rappeler ce qu'on a parlé, après nous allons montrer. Au paragraphe 62, une conférence, tellement il y a beaucoup de prédications sur la conférence, c'est de prêcher le vendredi 25-11-1960, paragraphe 62, il dit, eh bien, avez-vous remarqué, savez-vous ce que le nom Khrouchtchev signifie en Russie? C'est la poussière de la terre ou l'argile. Il était en tête de ses royaumes. Savez-vous ce que Eisenhower signifie? La tête de ceci, le fer. Le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Il a ôté son soulier, qui est Khrouchtchev, qui avait ôté son soulier lors de la réunion des Nations Unies là-bas. Et il a frappé. Il n'y a pas de mélange. Ils ne peuvent pas se mélanger. Ils ne s'allieront pas l'un et l'autre. Donc, le bloc de l'Est, représenté par Khrouchtchev ici, c'était en 1960, et le bloc de l'Ouest, représenté par Eisenhower, le président des États-Unis. Il dit qu'il y avait toujours conflit depuis, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Le conflit des blocs de l'Est et de l'Ouest a commencé depuis.
Et parce que pourquoi? Parce que nous avons montré avec les songes de Nebuchadnezzar, il y avait quatre grandes parties. La première partie, quand Daniel a vu le songe, il a vu la tête était en or, et la tête qui représentait l'empire babylonien, la poitrine qui était en argent, qui représentait les Médo-Perses, et les jambes qui étaient des reins qui représentaient les Grecs, et il y avait maintenant les pieds. C'était subdivisé en deux parties, une partie en fer et une partie en argile. Ici, c'était Rome. Parce que Rome, ici, il y avait deux Roms, nous l'avons montré. Il y avait la Rome politique qui a existé. Donc, vous savez, quand on parle de l'expression que tout chemin mène à Rome, parce que Rome a colonisé aussi le monde à l'époque. C'est pourquoi l'expression tout chemin mène à Rome. Et il y a aussi maintenant, après la Rome politique, aujourd'hui on ne parle même plus de l'Italie parce que c'est parti. Maintenant la puissance d'aujourd'hui c'est Rome papale. Amen. C'est ça, c'est ce rideau de pourpre dont nous sommes en train de parler, qui est en argile. Et maintenant, ces puissances ici, le fort bonhomme nous a montré dans la citation que Rome, la puissance où les catholiques étaient. Regardez maintenant comment l'Église catholique où le catholicisme s'élève où? Aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyons qu'aux États-Unis, le président actuel des États-Unis, c'est un catholique. Frère Branham l'a déjà dit que non. Regardez comment les catholiques, alors que nous savons que le catholicisme, c'est à Rome. Il dit que ça s'élève aux États-Unis et à travers le monde. Et nous voyons que non. Si vous regardez l'OTAN, c'est l'alliance militaire des pays de l'Atlantique Nord. Et ces pays-là, leur chef de file, c'est les États-Unis qui sont là. Donc, les États-Unis de côté de l'Ouest et la Russie de l'autre côté, il y a toujours cette entente, cette guerre-là. Ils ne peuvent pas s'entendre. C'est pourquoi il y a toujours ce tiraillement entre les deux blocs-là. Et comme le catholicisme est en train de monter en puissance, vous prenez l'Église catholique, les États-Unis, ils vont se lier tous ensemble pour mener cette guerre-là. C'est cette guerre que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais comme nous avons la parole de l'aigle, nous sommes en train de voir tous ces événements. Et Frère Branham disait, nous avons besoin d'une conférence. Quand ces choses-là arrivent, nous avons besoin d'une conférence pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous aussi, nous serons surpris comme ces gens ou non? Alors que nous avons déjà les plans. Parce que Daniel a vu les plans de tout. Et Daniel nous a montré les plans de ce qui vont se passer, des événements qui vont se passer. Nous avons tous les plans et nous sommes en train de suivre selon les plans. C'est ce que le frère Branham est en train de montrer ici. Il dit, voyez-vous, amis, la chose suivante qui reste, c'est que la pierre se détache. La venue du Seigneur pour rouler jusqu'à frapper cette image et l'écraser. Amen. Donc la pierre qui descend ici, c'est cette pierre-là. Amen. La nuée de gloire qui est descendue, c'est pour écraser tous ces royaumes de la terre. Amen. Parce que c'est la venue du Seigneur qui va écraser tout cela. Amen. C'est ce qu'il dit. Et pour rouler et frapper cette image et l'écraser, tous ces royaumes seront pulvérisés et s'envoleront comme du chaume dans l'air à l'été. Amen. Et nous savons que non, le frère Branham a vu cette vision. Et parmi les sept visions, les six sont déjà accomplies. Il a dit que la septième vision, ça sera quoi? Ça sera que les États, quand il a retourné, il avait vu que les États-Unis étaient en feu. Donc ce qui reste, c'est ça. Amen. Et bien vous pensez que non? La pierre là qui descend maintenant, dans la réalité, Frère Branham dit maintenant, c'est la Russie qui va appuyer à son bouton de missile qui va détruire les États-Unis. Amen. Il va encore appuyer sur son bouton pour détruire le Vatican. Amen. Et là, c'est à ce moment-là, vous n'allez pas attendre ces moments-là. Amen. Nous sommes en train maintenant d'attendre pas le moment que ça va, que l'État sera en fait ou le Vatican, mais nous attendons l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi nous sommes là à l'église. Amen. C'est pourquoi Dieu est en train de nous enseigner pour que nous puissions savoir comment nous devons nous y prendre. Amen. 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 Continuons. Il dit, écoutez, Frère Branham dit, ainsi dit le Seigneur, repentez-vous. Amen. J'ai prédit trois rideaux. Amen. Au nom du Seigneur, il y en a un qu'on appelle les rideaux de fer. Ça sera la Russie. Observez la Chine rouge.
ça sera les rideaux de bambou. Ils sont horribles. Mais observez les rideaux de pourpre qui s'élèvent aux États-Unis et à travers le monde. L'Empire romain, le plus cruel de tous. Donc c'est le rideau de pourpre qui est le plus cruel de tous. Amen. Plus cruel que la Russie, plus cruel que la Chine, Amen. Le Vatican. Amen. Parce que c'est l'Antichrist. Amen. Mais quand il se présente devant vous, il se présente comme étant un saint, Amen. Innocent, habillé en blanc. Wow. Alors que c'est lui qui a la séduction. Amen. Donc méfiez-vous de cet homme-là. Amen. Amen. Rappelez-vous, Frère Banam dit, rappelez-vous, au nom du Seigneur, éloignez-vous-en. Amen. Éloignez-vous de tout ce qui est attaché à cela. Amen. Fuyez au rocher. Amen. La venue du Seigneur est proche. Nous avons besoin d'une conférence. Amen. J'ai besoin d'une conférence pour parler de ces choses avec Dieu. Amen. L'Église est au bout de son chemin. Amen. Amen. Raison pour laquelle Frère Banam a dit que nous avons besoin d'une conférence. Amen. C'est pourquoi cet après-midi, nous voulons parler aussi d'une conférence avec Dieu. Amen. Ça, c'est notre sujet de cet après-midi. Amen. D'une conférence avec Dieu. Amen. Donc, la conférence que nous avons, ce n'est pas une conférence avec les hommes. Ce n'est pas une conférence avec des églises. Amen. Mais c'est une conférence avec Dieu. Amen. Parce que nous avons lu dans la parole, dans la Bible, dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 1er, il a dit que non, venez et plaidons. Amen. Donc la conférence d'aujourd'hui, estimez-vous maintenant heureux d'être des conférenciers et des conférencières. Amen. Peut-être vous n'avez pas participé à la conférence de Genève. Peut-être vous n'avez pas eu le temps de participer à la conférence de Berlin, à la conférence de tout ce qui s'est passé dans le monde. Mais cet après-midi, vous êtes heureux, bénis, étant des conférenciers. Amen. Et la conférence de ce matin, Frère Branham me dit, c'est avec Dieu que nous allons parler. Amen. Et la conférence, c'est Dieu lui-même qui la convoque. Amen. Ce n'est pas les Nations Unies qui a convoqué cette conférence. Ce n'est pas la Russie qui a convoqué cette conférence, mais c'est Dieu qui convoque la conférence. Amen. 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 Écoutons ce qu'il dit dans la prédication « Venez et plaidons » prêchée à Chicago, Illinois, Issa, le mardi 4-10-1955, au paragraphe 57. Il dit « Maintenant que le Seigneur vous bénisse très richement ce soir, alors que nous parlons de la parole pendant quelques instants, venez et plaidons. » Je pense que c'est l'un des versets les plus doux de la Bible. Frère Banam nous pose la question, ne les pensez-vous pas? Amen. C'est l'un des versets les plus doux de la Bible. Amen. Ne les pensez-vous pas? Amen. Oui, c'est l'un des versets les plus doux parce que c'est Dieu, le Créateur, Alléluia. Qui nous appelle, Amen. Qui nous convoque pour que nous puissions venir parler. Amen. Parce que lui n'est pas un dictateur. Parce que s'il était dictateur, il n'allait pas nous appeler. Il allait juste dire que non, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et cela s'arrête là. Mais Dieu n'est pas un dictateur. Il dit, venez et plaidons. Donc, c'est-à-dire, quand nous venons maintenant, nous devons exposer ce que nous avons comme main, ce qui nous dérange. Et ils ont, écoutons ce que le frère Banam dit. Il dit, eh bien, Esaïe, ce jeune prophète, à son époque, l'Église s'était complètement éloignée de Dieu. Et ils offraient des sacrifices étrangers. Et Dieu lui a dit, ça n'était fini de tout. Et il était là au temple, un matin, comme un jeune homme, probablement qu'il avait une quarantaine d'années. La prophétie d'Esaïe, ce qu'il a écrit, il était un prophète majeur. L'un des plus grands de la Bible. L'église où Israël s'était éloigné de Dieu, alors qu'Israël avait des prophètes. Dieu envoyait des prophètes pour qu'Israël puisse savoir comment marcher. Mais à un certain moment, quand les peuples juifs ont marché, ils ont vu d'autres nations, ils ont commencé à regarder aussi ce que les autres faisaient. Alors que les autres nations n'étaient pas appelées de Dieu. Les autres nations se conduisaient d'eux-mêmes. Ils avaient leur roi.
Mais Israël avait un roi, c'était Dieu qui le conduisait. Amen. Et sous la conduite du prophète. Amen. Et les prophètes étaient là. Les prophètes étaient comme le roi visible. Amen. Dieu étant invisible, représenté par les prophètes qu'Israël voyait. Amen. Mais Israël s'est dit non. Nous aussi, nous voulons être conduits comme les autres. Nous voulons aussi faire des choses comme les autres. Vraiment. Et le prophète était indigné. Il a dit, mais vous, vous n'êtes pas comme les autres. Amen. Mais pourquoi tu veux te comporter Amen. Comme l'autre? Parce que l'autre a fait ça, toi aussi tu veux faire ça. Amen. L'autre l'a fait ça parce que lui, c'est son Dieu qui l'a dit de faire ça. Amen. Et maintenant, toi, quand tu veux faire ça, qui t'a dit ça? Amen. Est-ce que c'est ton Dieu qui t'a dit de faire ça? Amen. Ou bien c'est l'autre là, tu veux simplement les suivre? Mais le prophète était indigné. Et comme il était le représentant de Dieu, il est parti voir Dieu pour lui dire, mais regardez le peuple que toi tu m'as donné, ils ont besoin d'un roi. Dieu lui a dit, tu dois les écouter, donne-leur un roi. Mais dis-leur, c'est que, quelles sont les obligations, les droits du roi, il faut leur dire ça. Et le prophète est venu, leur a dit. Mais après tout, nous remarquons que non, Frère Branham dit que non, après ce temps-là, l'église ou le peuple ont commencé à s'éloigner petit à petit. Alors qu'ils avaient la conduite de Dieu, ils voulaient la conduite des hommes. Et Dieu leur a donné des hommes pour leur conduire. Et maintenant, ils commençaient à s'éloigner. Au lieu d'offrir maintenant des sacrifices à l'Éternel, leur Dieu, parce que les commandements de Moïse, les premiers commandements, Moïse leur avait dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ça, c'était les premiers commandements. L'Éternel Dieu est jaloux, il ne veut pas voir un autre Dieu à côté de lui. Mais Israël, lui, n'a pas compris tout cela. Il a commencé maintenant à offrir des sacrifices à d'autres dieux. Au dieu des Baals, au dieu de ceci. Et surtout quand le roi Akab est venu par le mariage avec Jézabel, Jézabel a ramené l'idolâtrie en Israël. Et il a éloigné maintenant le peuple de Dieu dans la conduite de Dieu. Israël ne suivait plus les prescriptions de l'Éternel. Israël commençait à suivre maintenant ce que les Baals disaient, ce que d'autres dieux disaient. Et ils ont oublié les lois de Dieu et les dieux n'étaient plus contents. C'est pourquoi ici, à l'époque d'Ésaïe, le prophète, Ésaïe aussi suivait le roi. Ozias, il était son ami. Parce que Fobanam dit que non, Ozias, c'était des amis avec lui, il était le prophète, et Ozias était le roi. Mais à un certain moment, Esaïe qui suivait comment ces rois-là ils vivaient, comment ils dirigeaient les pays, il était vraiment content de les voir comme ça. Mais à un certain moment, étant un homme, Ozias avait fait quelque chose qui a déplu au Seigneur. Lui aussi, comme il a vu, comme Dieu m'a agréé, comme Dieu m'a béni, là où je suis en tant que roi, il ne suffisait pas d'être simplement roi, donc je pouvais aussi prendre la place des sacrificateurs. La Bible dit qu'il est parti dans les temples. Il a commencé à offrir des parfums. Or, cette place-là n'était pas réservée au roi. La place des parfums, c'était réservée aux sacrificateurs. Mais lui, il pensait comme Dieu l'a béni. Dieu a affermi son royaume. Il pouvait se permettre aussi d'aller prendre la place d'un autre. Non. Église, Agapa au tabernacle, chacun doit être à sa place. Amen. Et pour savoir que celle-ci, c'est ma place, Frère Branham me dit, regardez si ça bénit les gens. Amen. Et quand cela bénit les gens, sache que cette place-là, c'est à toi. Amen. Et personne d'autre ne peut prendre ta place. Amen. Donc chacun doit rester à sa place. Amen. Si c'est ta place, tu dois être là pour la bénédiction et l'avancement du royaume. Amen. Mais Ozias, lui, comme Dieu l'a béni en tant que roi, il pensait que Dieu devait aussi le bénir en tant que sacrificateur, alors qu'il était déjà roi. Et Dieu n'a pas apprécié ce que lui, il avait fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des sacrifices. Et maintenant, la Bible dit que non, il est mort lépreux. Amen. Or, la lèpre, c'est le péché. Amen. Il y a beaucoup de lépreux aujourd'hui dans nos églises. Pourquoi des lépreux dans nos églises? Parce qu'ils ne respectent pas les prescriptions de Dieu. C'est ce que les faux bananes est en train de montrer que non, à cette époque-là, maintenant, quand le peuple s'éloigne, maintenant, Dieu ne voulait pas laisser les gens comme ça.
Dieu a convoqué maintenant une conférence. Et le faux madame dit que la première conférence a eu lieu où? Au ciel. C'est là qu'il y a eu la première conférence. Et là où on a décidé qui va aller pour mourir pour les humains. On cherchait maintenant la personne qui devait partir pour aller mourir pour les humains. Et il n'y avait personne. Il y avait des grands prophètes. Il y avait des grands prophètes pour se tenir, pour dire que non, moi j'irai. Mais il n'y avait personne qui devait aller. Et la Bible dit que non, Dieu lui-même s'est porté garant de venir mourir. Mais comment il devait mourir? Parce que vous et moi, nous étions tous là. Sous forme des attributs, on n'était pas dans ses corps. Sous forme des attributs, des pensées de Dieu. On était à la réunion, il a dit que non, moi je vais prendre le corps et je vais descendre à la terre et mourir à votre place. C'est ce qui a fait que non, Jésus-Christ, là-bas, il a pris, il a dit que moi, je vais aller. Et maintenant, quand il est venu, parce que la conférence était comme ça, on a décidé que non, toi, tu vas aller pour mourir, et nous, nous allons rentrer dans le péché, parce que c'est lui-même Dieu qui a fait toutes ces choses-là à la conférence. Comme Dieu, il avait des attributs, il était sauveur, il était guérisseur, il était tout cela. Mais comment il pouvait guérir s'il n'y avait pas un malade? Comment il pouvait sauver s'il n'y avait pas un perdu? Il a fallu qu'il y ait un perdu pour que l'attribut des guérisseurs ou des sauveurs puisse être mis en action. Amen. C'est pourquoi notre frère, Tintina chantait, avant le péché n'atteigne la terre, l'Éternel lui a fait quoi? Il avait pourvu d'un agneau. Amen. Cet agneau qui a été pourvu, c'était lors de cette conférence-là Amen. Qu'on avait décidé que non, lui doit aller pour mourir à la place de tous. Amen. Et il est venu pour mourir à notre place. Amen. Mais il y a eu des conférences qui se sont passées. Il faut madame nous montre maintenant ici. Continuons d'abord ici parce que c'est l'introduction. Il dit, venez et plaidons. Paragraphe 40, il dit, maintenant, la discussion, il y a des discussions pour tout. Amen. Donc, nous devons avoir des discussions ou des dialogues pour tout ce que nous faisons. Amen. Parce que c'est quoi une conférence? Frère Banham dit une conférence, c'est une discussion. C'est un débat. Amen. Un dialogue. Que ce soit dans nos maisons, nous devons avoir des dialogues. Amen. Pourquoi il y a la dislocation des foyers aujourd'hui? C'est par manque de dialogue. Oui. Moi, je suis père aujourd'hui. Je comprends ce que c'est un dialogue, une conférence, savoir parler. Aujourd'hui, nous avons des noms. Les enfants nous collent des noms sans les savoir. Parce qu'on devient des dictateurs dans nos maisons. On t'appelle le shérif. Tu ne sais pas. Peut-être toi aussi, tu as ces noms-là. Parce que tu ne veux pas dialoguer avec tes enfants. C'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos familles. Nous avons beaucoup de problèmes dans nos mariages. Beaucoup de problèmes dans ce que nous faisons. Pourquoi? Par manque de dialogue. Amen. Donc moi je vais m'imposer parce que je suis le chef. Donc il n'y a personne d'autre qui peut dire, qui peut me contredire. Ce que j'ai décidé, ça reste comme ça. Donc les enfants, vous rentrez à la maison à 20h, c'est 20h. Il n'y a pas d'explication. Non papa, j'étais... Non, j'ai dit 20h, 20h, la maison est fermée, débrouille-toi. Non. Et c'est ça le problème aujourd'hui, même dans l'église. Vous entrez dans l'église aujourd'hui. Voilà. Ben, nous remercions même notre église ici. Vous pouvez voir les pasteurs quand vous voulez. Hein. Mais pas dans d'autres églises. Pour voir les pasteurs comme ça, c'est un peu compliqué. Mais ici, vous pouvez même les frères Janciers, là, vous passez quand même, vous voyez, vous ouvrez la porte, vous les voyez, vous parlez. Donc nous devons remercier Dieu quand nous avons un homme de Dieu comme ça. Parce que Frère Banham me dit, si vous avez un homme de Dieu, ah oui, parce que Frère Banham dit qu'un homme de Dieu, le pasteur doit sentir même l'odeur des brebis. Amen. Bon, on n'est pas des brebis, des moutons. Hein. Ça aussi, il faut comprendre ça. Dans le spirituel, maintenant, vous devez savoir que non, le pasteur, Frère Banham dit, doit être bon, mais pas trop bon. Amen. Parce qu'il est en train de conduire un groupe. Il doit avoir du charisme pour nous conduire. Sinon, vous allez piétiner les pasteurs. Raison pour laquelle nous devons avoir des gars. Il ne faut jamais vous habituer aux hommes de Dieu. Amen. Parce qu'ils représentent Dieu. Amen. Parce que le pasteur peut être bon,
Mais quand vous les piétinez, en réalité, vous ne piétinez pas l'homme que vous voyez. Vous êtes en train de piétiner Dieu qui l'a établi. Alors faites attention vos rapports avec le pasteur. Faites attention avec cela. Vous voulez les voir, prenez des rendez-vous. Le pasteur dit toujours ici que non, il les reçoit le mardi, jeudi. Mais l'homme de Dieu est toujours là tous les jours. Mais vous allez voir que le jour qu'il a dit pour venir, que vous venez, vous ne venez même pas. Vous venez souvent le dimanche, vous allez voir tout le monde le dimanche, vous allez voir le pasteur, mais non. Nous sommes une église en ordre. On a présenté les administrateurs, les huissiers, les conducteurs des champs. Donc, c'est-à-dire, nous sommes une église en ordre. Donc, nous devons respecter cet ordre établi. Quand on dit que le pasteur reçoit le mardi, le jeudi, venez ces jours-là. Amen. Ne faites pas le contraire. Donc, le dimanche, quand le pasteur finit de prêcher, il doit partir pour se reposer. Amen. Mais ben, il vous reçoit quand même. C'est pourquoi pour dire que non, il n'est pas un dictateur, que non, on a dit mardi, jeudi, venez mardi, jeudi. Lui ne le fait pas, il nous reçoit toujours. Mais nous devons respecter aussi ses côtés quand il y a de l'ordre. Amen. Donc, Frère Branham dit qu'on a des discussions dans tout, dans nos foyers, dans nos maisons, avec les enfants, nous devons toujours parler. Amen. C'est très important. Amen. S'il n'y a pas la communication, on détruit tout. Par manque de dialogue ou de communication, c'est pourquoi nous avons toutes ces incompréhensions, tous ces problèmes que nous avons, que ce soit à l'église. Vous ne voulez pas communiquer, mais vous allez toujours avoir des problèmes. Quand Banam dit, nous sommes en train de dire que non. Maintenant, la discussion, il y a des discussions pour tout. Plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Ne voudriez-vous pas vous asseoir dans les conseils de l'Éternel et discuter? Amen. Frère Branham dit, ne voudriez-vous pas vous asseoir dans les conseils de l'Éternel et discuter? Amen. Mais de quoi nous allons discuter avec l'Éternel? C'est ça le problème maintenant. Parce que quand on organise, Frère Branham dit que quand est-ce qu'on organise les conférences? Frère Branham dit qu'on organise les conférences pendant les temps des crises. Amen. C'est pendant les temps des crises qu'on organise des conférences. Amen. Et nous sommes et nous vivons dans un temps des crises. Parce que le naturel est typifié le spirituel. C'est que nous sommes en train de voir dans le naturel. C'est-à-dire que dans le spirituel aussi, c'est la même chose. Nous l'avons montré avec la civilisation. Quand la civilisation est en train d'évoluer, du côté spirituel, Dieu aussi évoluait. Quand le diable déverse sa puissance sur la terre, Dieu aussi déverse sa puissance. Parce que le combat, c'est entre Dieu et Satan. C'est le combat des esprits, le combat de puissance. Ce n'est pas le combat dans la chair, non. Mais c'est le combat des esprits. Mais comme les esprits, vous ne pouvez pas les voir, les esprits prennent les entités physiques. Ils s'incarnent dans des chairs. Comme Dieu peut aussi s'incarner dans une chair, le diable aussi s'incarne dans une chair, et c'est là maintenant qu'il y a la confrontation. C'est ça ce qu'il est en train de nous dire. Que non, à l'époque, quand dans la civilisation est évoluée, la parole aussi doit s'évoluer, là, quand ils ont commencé avec les chevals, du côté de Dieu, c'était Luther qui est sorti avec la justification. Quand la civilisation a évolué avec la voiture, des autres côtés aussi, c'est Wesley qui vient avec la sanctification. Quand la civilisation évolue avec la fusée, de l'autre côté, c'est les Pentecôtes ou la Pentecôte qui est avec les Pentecôtistes. Et maintenant, quand c'est la fusée, et de ce côté aussi, c'est l'âge des astronautes. Parce que nous aussi, nous sommes des astronautes. Et ils vont dans la lune. Mais nous, nous allons où? Au ciel. Donc c'est ça. Donc raison pour laquelle nous sommes ici en conférence. Ce banam dit que non, estimez-vous heureux. C'est vrai, ici, nous n'aurons pas de perdièmes. Parce que je me rappelle à la conférence souveraine de Kinshasa, oui. On était là, les conférenciers, il faut voilà, me dire que quand on invite des conférenciers, on invite des meilleurs. Oui. Les meilleurs hommes, oui. Des têtes et des fils, on n'invite pas tout le monde.
C'est des têtes de file qui viennent débattre des problèmes de la société. Amen. Et en Afrique, à cette époque, dans les années 1990 ou 90, cette vague de la démocratie avait envahi aussi l'Afrique. Il y avait des conférences qui se sont organisées à travers l'Afrique pour que puisse se mettre, parce que les peuples ont dit que non, eh bien, ça ne marche pas, il faut que, non, que les choses puissent être changées. Et chez nous, au Congo, c'était à l'époque de Mobutu, il a organisé un référendum pour savoir si nous aussi nous pouvons changer. Et on a opté que non, on doit changer. Et il a organisé la conférence nationale souveraine qui a été dirigée par Monseigneur Mossé Mopé à son âme. Il a travaillé pour ça. Peut-être vous étiez là aussi, mais vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette conférence. Oui. Mais ce matin, Dieu vous invite à sa conférence. Amen. On n'a pas eu le temps. Hein, Serge Jeannot, au Congo-Brazzaville, il y a aussi la conférence avec Ernest Combo. Peut-être tu n'as pas eu le temps de participer, mais cet après-midi, tu es une conférencière dans la conférence de Dieu. Amen. Donc ce matin, nous sommes des conférenciers. Nous devons nous estimer heureux. Et qui était venu, c'était des gens de fil de tête, des chefs qui venaient pour défendre ce qu'on devait faire. Que non, la nation ne va pas bien. Ceci ne va pas marcher, ça marche mal. Maintenant, on devait trouver des solutions. On devait faire des résolutions à la conférence et on devait maintenir ces résolutions-là. Amen. Mais malheureusement, avec les conférences des hommes, il y a toujours des injustices. Amen. Mais maintenant, cet après-midi, c'est la conférence avec Dieu. Amen. C'est une conférence où il n'y aura pas des injustices. Amen. Donc, la question du péché aussi se pose. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous avons des problèmes dans nos églises. C'est pourquoi nous sommes venus pour voir qu'est-ce que la parole dit à propos de tout cela. Que ce soit pour nous aussi, c'est des maladies. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Si c'est les problèmes de doctrine, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole dit? Si c'est... Peu importe les problèmes, nous aurons à trouver des solutions dans la conférence. Parce qu'ici, Dieu nous dit, venez et plaidons. Et il dit... Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il a dit, frère Branham, je donnerais n'importe quoi si je pouvais avoir une vision. J'ai fait passer mon bras autour de lui, un véritable frère. J'ai dit, mon frère, bien-aimé, chaque fois que vous ouvrez la Bible, alléluia, vous avez une vision. Donc n'attendez pas simplement la vision, j'ai vu une vision, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait des... Non. Frère Branham dit, oui, ça fait aussi. Oui. Mais il dit, à chaque fois que toi, tu ouvres ta Bible, amen, tu as devant toi une vision. Amen. Oui, c'est bien d'avoir un prophète. Hein. Amen. La Bible dit qu'un peuple sans prophète, amen, c'est un peuple sans frein. Amen. Et gloire à Dieu, nous avons un prophète. Amen. Il dit, Dieu se révèle. Voici la vision de Dieu. Ouvrez-la tout simplement et ouvrez, dites, ô Dieu, maintenant ouvre mes yeux, afin que je te voie. La parole est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et voici Dieu, et chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous avez une vision de Dieu qui vous parle. Amen. Asseyez-vous avec un cœur humble. Voilà la conférence avec Dieu. Avec un cœur humble. Donc, c'est pourquoi nous devons avoir des discussions dans nos maisons. Des confrontations même. Il ne faut pas penser simplement que non, quand toi tu parles, il faut que ta femme soit toujours en accord avec toi de ce que toi tu as dit. Si tu peux dire quelque chose, si c'est par rapport à la parole. Vous allez voir que non, vous discutez, mais s'il y a d'autres choses, ta femme aussi peut te dire quelque chose qui est à l'encontre de ce que toi tu penses. Amen. Mais assis-toi, sois humble. Amen. Écoute là aussi de son idée de ce qu'elle veut dire. Et peut-être, ce qu'elle va dire va aboutir à une solution. Amen. Mais des fois que nous ne voulons que nous écouter nous-mêmes parce que c'est moi le chef, c'est toujours moi. Mais si cela était le cas, donc Moïse n'allait même pas écouter Jéthro. Parce que Moïse, Dieu l'a rencontré sous le buisson ardent, sous la colonne de feu. Amen. Dieu lui a dit ce qu'il devait faire. Mm. Mais arrivé dans le désert, Jéthro arrive.
et voir comment Moïse s'est fatigué, s'est poumonné du matin au soir en train de juger tout le peuple. C'était plus de 2 millions. Là, on a compté que les hommes. Ben, imaginez, il y avait des femmes, il y avait des enfants qui étaient là. Ils étaient combien? Maintenant, Moïse était là, comme il s'était dit, il jugeait chaque affaire. Jéthro était là, c'était son beau-père. Ah, il regardait comment il faisait. Après un jour, il a dit, non, je dois voir cet enfant. Il est parti le voir, il lui a dit, mais mon fils, mais tu te fatigues. Avec tous ces peuples ici, si tu peux prendre l'esprit que Dieu a mis en toi, choisis des hommes parmi ces peuples ici, que le Seigneur puisse prendre ton esprit et le mettre dans chacun de ces hommes. Et toi, tu vas choisir. Maintenant, les affaires les moindres, tu vas les confier. Comme ça, toi, tu vas rester avec des affaires les plus grandes, qu'elles ne seront plus jugées. Maintenant, c'est toi qui vas les faire. Dites-moi, Moïse pouvait dire à Jéthro, non, toi Dieu ne t'a pas parlé. Dieu m'a parlé à moi. Mais s'il voulait dire ça, tu vois, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Écoute. Confirmé. Dieu a confirmé qu'écoute ce que Jéthro t'a dit. Donc Dieu n'a pas dit le contraire. Donc c'était valable. Mais est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Non. Il n'a pas dit à Moïse, il avait dit à Jéthro. Mais Jéthro maintenant l'a dit à Moïse et Moïse a confirmé. Donc raison pour laquelle que nous, que ce soit, que nous sommes des responsables, nous devons aussi écouter nos subalternes. Amen. C'est ce que Dieu voulait dire. Il dit, donc je disais que non, il y a eu beaucoup de conférences qui se sont faites à travers le monde. Au Congo, ça a été partout, il y a eu la conférence de Genève, il y a eu la conférence de Paris, il y a eu la conférence de Berlin. Mais mes frères, la conférence la plus meurtrière, c'est la conférence de Berlin. Cette conférence a eu lieu en 1895-85. Peut-être vous le savez, en 1895-85, s'est tenue à Berlin. Berlin, c'est en Allemagne ici. La conférence et le but ou l'objectif de cette conférence était le partage et la division de l'Afrique ici. Et les participants, c'était des Européens. Les concernés, les Africains, n'étaient pas là. Alors que dans une conférence, tout le monde doit être là. Mais remarquez ici, dans cette conférence ici, les Africains n'étaient pas invités. Amen. Donc, ils décident de partager et de diviser un continent comme un gâteau. Vraiment. Et ça fait 3 mois de conférence du 15 novembre au 26 février pour décider ce qu'ils devaient faire de l'Afrique. Ce qui fait que ce matin, vous et moi, nous retrouvons ici. Cette conférence ici. On serait chez nous là-bas. Mais la conférence de Berlin fait que nous nous retrouvons ici. Bob Alam dit que la race la plus cruelle, alors que lui-même il était blanc, il dit que c'est la race blanche. Amen. Partout où est cette race, il amène avec lui le péché. Tout le péché, parce qu'il dit que l'homme noir c'est un homme spirituel. Amen. L'homme blanc c'est un héritage, alors que Branham était un blanc. Amen. Il dit que l'esprit qui parlait en William Branham, ce n'était pas l'esprit des blancs, mais c'était l'esprit de Dieu qui parlait. Amen. Et il le condamnait là où il devait condamner, il appréciait là où il devait apprécier. Amen. C'est pourquoi nous aimons les prophètes. Amen. Il était blanc, mais nous l'aimons. Ce n'est pas tous les blancs qui sont mauvais. Non, il y a des bons blancs et il y a des mauvais. Mais dans la majorité, ils sont mauvais. Amen. Parce qu'ici, ils ont décidé de partager tout un continent. Donc, tout ce qui se fait en Afrique, ce n'est pas les Africains qui le font. Les présidents qui sont là-bas, ce n'est pas les Africains qui les votent. Ils ont toujours la même mise. Même qu'ils ont donné les indépendances aux Africains, mais c'est juste des indépendances masquées. Des façades, mais en réalité, c'est eux-mêmes qui contrôlent l'Afrique. Yes. Raison pour laquelle vous entendez des coups d'État, vous entendez ceci, parce que c'est pour protéger leurs intérêts. Quand leurs intérêts sont menacés, tu n'es plus le bienvenu. Au bout de vouloir oser, ils ont dit que non, toi, ton temps est fini, maintenant tu dois partir. Et il était parti. Parce que ce n'est pas lui qui décidait. Parce que lui aussi, on l'avait mis.
Ah, maintenant, quand il voulait s'opposer au maître, on lui a dit que c'est nous qui t'avons placé là-bas. Comment tu dois maintenant te retourner contre nous? On lui a dit, bon, on va pas te tuer, tu peux simplement sortir. C'est ça la réalité, au fait qu'on ne vous dise pas. Mais ici, comme nous parlons de la parole de Dieu, il nous faut que vous puissiez savoir la vérité. Dans cette conférence, c'est la conférence la plus meurtrière. Les participants, c'était eux. Et nous-mêmes, on n'était pas invités. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous appelle à la conférence. Non pas une conférence des injustices. Parce que la conférence des hommes n'est que des injustices. Il y a de ceux qui sont les plus hauts, il y a de ceux qui sont les plus bas, il y a de ceux qu'on maltraite. Et c'est ici, dans cette conférence, après, il y a eu la traite des nègres. Où l'homme noir a été vendu comme esclave. Alors que Dieu a dit, il a créé un homme libre. Mais l'homme a fait l'esclave. Donc ce ne venait pas de Dieu. Mais ça venait de qui? Des hommes. Donc ici, ils ont décidé cela. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dis, mes frères, ça fait plus de 137 ans. Ils ont pris des résolutions. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui dirigent l'Europe, c'est leurs pères, leurs ancêtres qui étaient dans cette conférence. Mais quand les enfants viennent, ils ont les accords, les secrets des accords, et les résolutions, et ils continuent à maintenir ces résolutions-là. Mais si les hommes qui faillissent peuvent maintenir les accords que leurs ancêtres ont faits alors qu'ils n'étaient pas là, à combien plus forte raison vous et moi qui ont la parole, que Dieu nous appelle à la conférence, ne pouvons pas vraiment maintenir la victoire. Pourquoi nous avons des défaites dans nos familles? Pourquoi nous avons des défaites dans nos maisons? Pourquoi nous avons des défaites dans nos vies? Et parce que nous ne voulons pas retenir, appliquer les résolutions. Faut madame dit que non. Quand nous prenons des résolutions, nous devons agir en conséquence. Amen. À la conférence, comme nous sommes là, nous allons prendre des résolutions. Parce que c'est le péché qui est là. C'est du péché qu'il s'agit. Parce que nous avons lu dans Esaïe, c'est du péché qu'il s'agit. Que le peuple était éloigné de Dieu, c'est pourquoi Dieu convoque la conférence. Et après la conférence, il y a des résolutions. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire de ces résolutions? Nous devons juste les prendre, les mettre dans les tiroirs. Nous devons les appliquer. Amen. Pour garder la victoire, comme ces gens ici gardent la victoire sur les Africains jusqu'aujourd'hui. Oui, oui. Alors que la conférence a eu lieu en 1800. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2022. Ils ont toujours la mainmise. Ils ont toujours la victoire. Et donc nous aussi, si le monde peut faire ça, Dieu nous amène à comprendre que nous aussi, nous devons avoir la victoire sur le péché. C'est pourquoi nous avons convoqué cette conférence. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous vous estimez heureux de participer à la conférence de ce matin? Parce que Frère Bana dit que nous sommes dans la conférence. Et c'est lui-même qui est le président de la conférence. Et vous, vous êtes les participants. Dieu ne nous exclut pas de la conférence. Il nous appelle. Il dit, venez et plaidons. Donc c'est nous qui doit plaire. C'est nous qui plaidons. C'est nous qui disons à Dieu ce qui ne va pas. Oh Seigneur, ça ne va pas dans ma vie. Oh Seigneur, ça ne marche pas. Mais pourquoi je ne me marie pas? Mais pourquoi je n'ai pas d'enfant? Mais pourquoi cette maladie continue toujours? La Bible nous pose la question, y a-t-il pas du baume en Galate? Là, la conférence, y a-t-il pas du baume en Galate? Mais s'il y a du baume en Galate, mais pourquoi la plaie de ma fille n'est-elle pas guérie? Alors maintenant, tu dois t'examiner. Examine ta vie. Examine ta vie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta vie? Là, nous sommes dans la conférence. Nous sommes en train d'examiner nos vies. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Il ne faut pas jeter tout simplement la faute au pasteur. Il ne faut pas jeter la faute aux parents. Il ne faut pas jeter toujours la faute à c'est l'oncle qui est en train de m'ensorceler. Frère Banam dit que quand vous avez l'amour de Dieu, personne ne vous fera du mal. Et vous ferez du mal à personne. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que si l'amour réellement de Dieu est dans ton cœur, comment on te fait toujours du mal? C'est vrai, nous savons que dans la Bible, il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non. La Bible a continué, non? La Bible a dit quoi? Ça, c'est dans la conférence. Le malheur peut nous atteindre. Ça peut. Ça peut nous
nous atteindre. Mais ce n'est pas toujours que le malheur doit nous atteindre, non. Mais le malheur peut nous atteindre. Mais l'Éternel nous en délivre toujours. Pourquoi? Parce que c'est des résolutions de la conférence. C'est ça la conférence. Parce que nous avons dit que la première conférence a eu lieu où? Au ciel. La question du péché a été résolue au ciel. L'agneau a été immolé au ciel. L'agneau n'a pas été immolé sur la terre, mais au ciel. La terre, on a vu simplement l'accomplissement des résolutions de la conférence. Et on était contents. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Job. Où étais-tu, toi Job, quand les étoiles du matin jubilaient? Et qui étaient ces étoiles du matin? Mais c'était toi et moi. Quand Dieu plaçait le fondement de la terre, nous on jubilait, nous on était en train de crier, à pousser les cris de joie. Et Job s'est posé la question, parce que Job était un peu embrouillé. Dieu lui pose la question, où étais-tu? Job n'a pas compris. Et quand Job a eu la révélation, il a dit, oh merci Seigneur Jésus, il a vu son rédempteur. Il dit, malgré que les vers ont détruit ses corps, mais je sais, mais je sais, mais je sais que mon rédempteur s'élèvera. Mon rédempteur s'élèvera vers les jours. Mon rédempteur s'élèvera malgré les problèmes, malgré les combats, malgré les attaques. Mais mon rédempteur s'élèvera. Parce que la Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, Dieu va élever l'étendard pour compter et carrer son avancée dans ta vie. Donc ce matin, nous sommes en train de parler de la conférence. Quand il va venir pour te donner de la maladie, Dieu va élever l'étendard. Quand il vient pour te donner la stérilité, Dieu va élever son étendard pour dire qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Quand il va venir dans des problèmes de chômage, Dieu va élever son étendard pour te donner du travail. Il dit, apportez dans ma maison. Oh, les dîmes, les trésors, les offrandes. Vous voyez si je ne vais pas vous bénir. La bénédiction, les dîmes, hein, peut-être... On ne comprend pas, on aura un temps de parler sur ça. Le passé l'a déjà dit, mais nous allons encore le parler encore. Fobana me dit, les dîmes, hein, même des hypocrites, quand ils donnent la dîme, ils sont bénis. Donc la bénédiction de Dieu pour la dîme, ce n'est pas pour nous simplement, non. Les païens même, qui ne veulent même pas à l'église, quand ils accomplissent la parole de Dieu en donnant la dîme, ils sont bénis. Par combien plus forte raison, vous et moi. À ces temps ici, il y a d'autres qui courent dans les parcs, comme le pasteur le dit toujours les dimanches. Ils sont là en train de courir, de gauche à droite. Mais vous êtes là, vous avez sacrifié votre sommeil. Vous avez travaillé du lundi au vendredi, à ceux qui travaillent le samedi. Et le matin, avec nos enfants, nous venons à l'église. Et c'est Dieu là va nous oublier. Non. Donc regardons un peu nos vies à nous. Ne mettons pas simplement donc tout sur là, l'oncle, sur les pasteurs, sur ceci. Non. Fabanam dit, réfléchis à tes voies. Amen. Regarde un peu ta vie. Amen. Pourquoi ça ne marche pas ici? Amen. Pourquoi ici je ne suis, je ne peux pas progresser? Regarde un peu à ta vie. Amen. 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 La conférence avec Dieu. C'est ça, nous avons besoin de cette conférence. Alors que nous avons beaucoup de problèmes aussi dans nos églises. Donc il nous faut aussi une conférence. Il faut une conférence. C'est ce que Dieu est en train de nous parler ici. Donc nous devons comprendre le pourquoi de la conférence. Donc nous devons prendre des résolutions. Et ces résolutions, nous devons les appliquer. Donc ici, il s'agit du péché. Nous avons convoqué cette réunion ou cette conférence pour les problèmes du péché. Tu as toujours l'animosité dans ton cœur. Tu as toujours l'hypocrisie parce que Jésus reprochait aux Juifs. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel pour dire que non, demain il va pleuvoir, demain le ciel sera gris, mais vous ne savez pas les signes du temps. Voilà. Jésus a reproché ces gens-là des hypocrites et c'est la même reproche est aussi aujourd'hui. Vous avez de l'hypocrisie dans votre cœur, vous venez toujours dans l'église, vous vous embrassez frères et sœurs. Vous m'appelez frère, vous m'appelez sœur, alors que vous avez de l'hypocrisie. Voilà. Vous savez très bien que vous ne m'aimez pas, mais vous me dites que Dieu te bénisse. Voilà. Mais non, mais la Bible dit que c'est la profondeur du cœur qui sortent les paroles. Donc quand vous dites que Dieu te bénisse, mais si dans ton cœur il n'y a pas l'amour, c'est la malédiction qui doit sortir. Mais c'est simplement une bénédiction masquée.
que Dieu te bénisse, en réalité, tu as dit que Dieu te maudisse. Mais quand tu dis que Dieu te bénisse, il faut qu'il y ait l'amour de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi nous avons convoqué la réunion, la conférence. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans le Christ est identifié dans tous les âges, prêché à Topeka, aux États-Unis, le mercredi 17 juin 1964, au paragraphe 202. Frère Branham dit, la présence de Jésus-Christ qui devrait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours où les credos, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole et Jésus est la parole. Amen. Jésus, la parole, se retrouve en dehors de l'Église. Amen. Donc, s'il y a la conférence aujourd'hui, pourquoi? Parce que Jésus se trouve où? En dehors. Alors que c'est lui le mari. Le maître de la maison, le propriétaire de la maison, toi tu l'as mis dehors. Jésus-Christ est le maître, le propriétaire, il est dehors de son église. Il est en train de frapper. Donc pour nous dire que non, il n'est pas un dictateur celui-là. C'est sa maison, mais il est dehors. Mais qui l'a mis dehors? Vous mettez les propriétaires de la maison dehors. Mais essayez ça aujourd'hui dans nos maisons que nous louons aujourd'hui. Les propriétaires viennent dire, à partir d'aujourd'hui, cette maison m'appartient. Ah bon? Au niveau du cadastre, de l'urbanisme, c'est lui qui est reconnu. Toi, tu es juste là à la maison, tu dis que c'est à toi. Mais la police va venir. Mais ici, la police n'est pas venue. Tellement il est respectué. Et qu'est-ce qui fait que non, c'est Jésus? Quand nous disons que Jésus dehors, c'est quoi? Frère Branham est en train de nous dire que non, c'est quoi? C'est les credos. Les dénominations, amen. Les ismes, amen. C'est ce qui fait que Jésus-Christ puisse être dehors. Amen. Et c'est quoi les credos? C'est tout ce que nous prenons qui n'est pas la parole de Dieu, que nous-mêmes nous adoptons. Amen. Nous adoptons que nous, à Agapa au tabernacle, amen, nous allons croire ceci, voilà, nous allons croire cela. Amen. Donc ça n'a rien à voir avec ce que les frères Branham a dit, amen, rien à voir avec ce que la Bible a dit, amen, c'est ce que nous avons décidé. Amen. Nous décidons qu'à Agapa au tabernacle, nous allons prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. Amen. Frère Branham l'a dit, hein? Il dit que l'Église est souveraine. Donc si le pasteur vient et dit que non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, vous êtes libres. Est-ce que c'est ça la parole? Non. Frère Branham nous dit maintenant, le credo c'est ça. Les dénominations. En fait, les dénominations, vous savez, quand le message est venu au Congo, on avait du mal de comprendre ces noms ici. Or, nous ne sommes pas les dénominations. On pensait que non, donner un nom à l'Église, c'était ça les dénominations. Mais la dénomination qu'a fait Branham parle, il dit que ce sont toujours des barrières que nous établissons. Voilà. Non, nous sommes des. Nous d'ici, nous ne pouvons pas aller là-bas. Voilà. Parce que nous ne croyons pas la même chose. Voilà. Alors que la Bible dit, ou le frère Branham dit que non, quand la pluie est tombée, donc la pluie a inondé toutes les barrières, amen, et les canards pouvaient s'embrasser. Donc il n'y a plus de dénomination, il n'y a plus de barrières. Nous avons un prophète partout dans les églises du message, nous disons, Frère Branham a dit. Tous nous disons, Frère Branham a dit. Mais pourquoi? Comment se fait-il que nous disons, Frère Branham a dit, mais il y a toujours des barrières? Voilà. Raison pour laquelle nous devons avoir une conférence. Amen. Parce qu'il y avait une conférence à Jérusalem. Pourquoi la conférence de Jérusalem? Lisons dans la Bible, dans Actes 15. La conférence de Jérusalem, parce qu'il y avait un problème qui s'est posé au niveau des frères. Les Juifs étaient circoncis. Maintenant, quand la parole de Dieu était apportée aux nations, ben, les païens qui venaient, ils n'étaient pas circoncis. Mais ils recevaient la même parole. Alors, il y a eu certains frères qui ont quitté Israël, Jérusalem pour venir apporter la parole. La Bible dit que ces frères-là n'étaient pas mandatés. Ces frères-là n'étaient pas ordonnés par les anciens de Jérusalem, qui étaient Pierre, Jacques et les restes, pour aller apporter la parole. Maintenant, quand ils partent apporter la parole, ils ont mis la confusion. C'est pourquoi, frère, les pasteurs les répètent. Dieu peut vous appeler, mais vous devez attendre votre temps. Amen. Si le temps n'est pas encore...
encore arrivé. Quand vous allez partir, vous allez tuer les gens. C'est ce que Moïse avait fait. Moïse était un serviteur véritable de Dieu, un prophète appelé de Dieu. Mais quand il a fait le temps, avant le temps, il avait tué un Égyptien. Ne le faites pas, bien aimé. Ces gens-là sont partis. Mais Dieu sait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Acte 15. C'est déjà au tableau. Nous sommes en train de parler de la conférence avec Dieu. Acte 15. La Bible parle, les sujets, c'est discussion dans l'église d'Antioche relative à l'observation des lois cérémoniales de Moïse par les païens qui embrassent le christianisme. Conférence de Jérusalem. Donc la conférence n'a pas commencé avec nous. Et aussi ils avaient la conférence parce qu'ils avaient un sujet à traiter qui portait confusion dans l'église. Il dit, oui, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Donc, et ils étaient des juifs. Il disait, pour être sauvé, vous devez être circoncis. Nous savons très bien que dans la circoncision, c'était le signe charnel que Dieu a donné à qui? À Abraham. Abraham devait être circoncis. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, avec la révélation, la circoncision, c'était le type du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, avec les apôtres, Paul a éclairci cela. Mais ici, on nous dit que quelques hommes venus de la Judée enseignez les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Alors que ces gens étaient déjà sauvés. Ils avaient déjà reçu le Seigneur. Mais comment ils devaient encore être sauvés alors qu'ils étaient déjà sauvés? C'était simplement embrouillé. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Amen. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Donc la question de la circoncision faisait débat dans l'église. Donc comme nous aussi, nous avons beaucoup de questions dans nos églises. Donc nous devons nous asseoir. C'est pourquoi il y a la réunion des ministres. Pourquoi? Pour traiter certaines questions. Ah, c'est ci, ah, c'est là. Et ici, c'était la question de la circoncision. Et maintenant, Paul et Barnabas, ils ont eu cet entretien, ce débat avec les frères qui étaient venus pour prêcher, disant que non, pour être sauvés, vous devez être circoncis. Après, ils ont dit, bon, on va déléguer, pour éviter de tout lire, on va déléguer Barnabas et Paul à Jérusalem, parce que là-bas, comme c'est là que l'évangile est venu, et ils vont parler et ils vont nous donner la suite. Et vous allez comprendre qu'à la suite, ils ont dit, au verset 23, il dit, après avoir débattu de la problème, ils ont dit que non, les problèmes là, des circoncisions, si les gens sont déjà sauvés, ils sont sauvés. Et ils sont des païens, nous sommes des juifs, mais nous prêchons la même parole. Ils ont résolu ces problèmes là et la question était clôturée et ils sont retournés. Maintenant, quand ils retournent, ils vont maintenant donner les rapports à l'église. Maintenant, écoutez ce qu'ils ont dit là-bas. C'est Jacques qui parlait ici. Il dit au verset, vous pouvez tout lire à la maison, il dit au verset 23 pour gagner du temps, ils les chargèrent, c'est-à-dire les frères, ils ont chargé ces frères-là pour aller maintenant donner les rapports à ceux qui étaient restés. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par les discours et ont ébranlé vos âmes. Donc vous voyez que ce sont des gens, c'est comme des Corée et des Dathan, ils savaient bien parler au peuple, mais ils n'étaient pas mandatés. Ils se sont eux-mêmes autoproclamés
pour aller parler au nom des. Mais non, ils n'étaient pas partis au nom de l'église de Jérusalem. Ils étaient partis à leur propre nom. Maintenant, regardez ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait en parlant? Ils ont fait quoi? Ils ont troublé les âmes. Les âmes qui étaient en quiétude, qui écoutaient la parole que Paul apportait, que Barnabas apportait, que les autres apportaient, ils étaient joyeux. Mais quand ceux-là sont venus, et comme ils se considéraient comme étant des circoncis, ils ont troublé ces gens-là. C'est pourquoi quand ce n'est pas encore le temps, attendez. Attendez. Ne précipitez pas. De toutes les façons, le travail que nous faisons, ce n'est pas notre travail à nous. C'est le travail de Dieu. Moi, Dieu m'a appelé, c'était en 1996 que Dieu m'avait déjà appelé. Mais regardez, quand j'ai commencé à prêcher. Donc, il faut attendre, il faut être patient. Des fois, nous disons, ah, pasteur, aux enfants, ils sont en rabe, aux autres, des fois, on murmure aussi. Mais il faut attendre, parce que lui, c'est un homme de Dieu. Lui aussi, c'est pourquoi Frère Branham dit, un prédicateur ne peut jamais demander la chair. Amen. La chair, on ne la demande pas. Amen. Donc la chair, c'est Dieu qui doit dire à son serviteur qu'il a établi, maintenant tu donnes à Goshen, maintenant tu donnes à André, maintenant tu donnes à Jean-Béni. Maintenant si c'est moi qui veux venir, pasteur, mais n'a pas un peu calati. Là, ça devient un problème. Donc je dois venir maintenant faire quoi? Donner des troubles. Mais si c'est Dieu, vous allez voir que vous serez content d'écouter. Parce que ça ne sera pas moi qui va venir prêcher, mais ça sera Dieu qui va vous parler. Amen. C'est ça ce que ces gens ici ont fait. Ils sont partis d'eux-mêmes. Et quand ils sont partis, ils ont fait quoi? Ils ont semé les troubles. Ce qui n'était pas bien. Maintenant, quand il y a eu la conférence, les problèmes étaient résolus et la paix était revenue dans l'église. Voilà le but de la conférence. Et aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup de problèmes. Il y a de ceux qui disent qu'il est déjà venu. C'est le problème dans l'église. Oui. Donc nous avons besoin d'une conférence. Amen. Il y a de ceux qui disent que non, on n'attend plus rien. Tout est déjà accompli. Nous sommes enlevés, nous sommes dans le millénium, nous sommes dans l'éternité. Il n'y a rien à attendre. Mais vous, votre éternité, votre millénium avec les... Hein, les rideaux de pourpre. Faut maintenant me dire que moi je ne vais pas être dans les rideaux de pourpre avec les papes dans les mêmes milléniums. Il dit que dans le millénium il n'y aura pas l'hiver. Mais nous avons l'hiver aujourd'hui. C'est pas encore fini l'hiver. Vous dans votre millénium avec l'hiver. Faut maintenant me dire que je ne vais pas être là dans l'hiver. Parce que le millénium c'est le type de ce que Adam a vécu à l'Éden. Parce qu'Adam a fait que 930 ans. Il n'a pas fait un jour. Donc, le un jour, c'est le 1000 ans. Comme Dieu ne reste avec la dette des personnes, il doit payer cette dette-là d'Adam. C'est pourquoi il doit nous donner le un jour restant. Quand le un jour restant a fini, c'est après que nous irons dans l'éternité. Avant, il y aura d'abord les jugements des trônes blancs, toutes ces choses-là. Après, nous irons là-bas. Dieu paye d'abord la dette. Parce que quand il avait pris sur la terre en venant à la chair de Jésus-Christ, il a emprunté les bateaux de Pierre. Et après avoir prêché la parole, il a dit à Pierre, avance ta barque et jette ton filet. Pierre a dit, oh Seigneur, j'ai prêché toute la nuit, mais je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jette le filet. Et quand il a jeté le filet, il a pris quelque chose, les bateaux étaient pleins à craquer. Alors que là où il avait déjà jeté toute la nuit. Mais comme Jésus avait parlé, Dieu dans la chair avait parlé, il a jeté son filet, il a ramené le filet, la barque, la Bible dit que non, il a appelé d'autres pour venir l'aider. C'était une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu avait emprunté sa barque. Et ce matin, Dieu peut emprunter aussi votre corps. Dieu peut emprunter aussi votre voix. La voix que Dieu vous a donnée, c'est pour parler pour lui. Parler pour lui, et Dieu va vous payer pour ça. Parce qu'il ne reste avec la dette des personnes. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu va nous récompenser les 1000 ans. Mais vous qui êtes déjà dans le millénium, mais quand nous serons dans la vraie millénium, maintenant vous serez où? Mais nous vous aimons. Vous êtes nos frères. Nous vous aimons. La seule chose que Frère Branham vous dit, c'est de revenir. Amen. Il n'est pas encore trop tard. Revenez. Amen. Donc,
Là, nous sommes en train de voir que non, il y a de ceux qui disent, oh, il est déjà venu. Il y a de ceux qui disent qu'il est entré. D'autres disent non, toujours à droite. Il n'entrait pas, il était toujours à droite. Il y a de ceux, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de débats. Et aujourd'hui, nous parlons même des quartiers généraux. Mais quel est notre quartier général aujourd'hui? Parce qu'il y en a tellement beaucoup aujourd'hui. Alors que le faux ballon me dit que quand Dieu envoie un message, là où est le messager, c'est là est le quartier général. Et à partir de ce quartier général, le message se répand dans le monde entier. Donc notre référence, c'est là où est le messager de l'âge. Et c'est là où est notre quartier général. Mais maintenant, comme le messager est parti, où est maintenant notre quartier général? Mais le frère Branham doit nous répondre avant de partir. Amen. Parce qu'il ne doit pas nous laisser dans la confusion. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Amen. Dans le messager du soir. Entre les lignes. Bréchet du 16 janvier 1963, au paragraphe 89. Frère Branham dit, par conséquent, quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du Testament, il s'adressait à un seul homme, pas à une douzaine, un seul. Et cet homme devrait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout apportant le même message. Le même message. Mais il devrait y avoir un quartier général. Amen. Dieu a toujours eu un. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. Là, Branham prêché dit, je suis heureux qu'il en ait un ce soir. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, avant que le prophète lui-même puisse partir, pour qu'il ne puisse pas nous laisser dans la confusion quand il ne sera pas là, il précise les choses. Et il dit, le quartier général dont il s'agit, c'est le Saint-Esprit. Je vais lire avec vous ici. Je suis heureux qu'il en ait un ce soir. C'est le Saint-Esprit, bien sûr. Nous le savons tous. Que vous soyez au Congo, vous le savez. Vous soyez aux États-Unis, vous le savez. Vous soyez en Allemagne, en Asie, vous le savez tous. Eh bien, il ne s'agit pas d'un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Il n'a pas fini, hein? Il a mis virgule. Ici, nous sommes dans la conférence. Il a mis virgule. C'est-à-dire, donc quand il dit que c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu, il explique maintenant. Virgule, c'est-à-dire le messager de Dieu de l'air. On peut acclamer le messager de l'air. Donc, vous voyez que non, le quartier général de Dieu sur la terre, c'est qui? Les messagers de l'air. Amen. On a combien de messagers de l'air? On en a trois ou quatre? Non, il y en a combien? Un seul messager, c'est lui, le quartier général. Et à partir de ce messager de l'air, qui est le quartier général, qui représente le Saint-Esprit, amen, dans la chair du messager, amen, à partir de lui, amen, les autres qui sont fidèlement, amen, enseignés, amen, vont propager maintenant le même message, amen, partout dans le monde. Amen. Et partout maintenant, ça sera toujours, nous aurons tous les quartiers généraux maintenant. Amen. On ne va plus avoir un seul quartier général que nous devons défendre comme les catholiques. Amen. Quand on doit prêcher à Rome aujourd'hui, si un sermon qui est prêché à Rome, cela est diffusé dans le monde entier. Amen. C'est le même sermon que tout le monde doit écouter. Pourquoi? Parce que c'est leur quartier général. Amen. Mais pour nous, le quartier général, c'est le Saint-Esprit. Amen. Deuxième citation, parce qu'on a dit les témoignages de deux ou trois témoins. Départ secret et soudain de l'Église,
du 12 parce que nous sommes dans la conférence. Amen. Nous ne voulons pas ici à Agapao, nous puissions avoir des confusions. Nous voulons être clairs dans la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, mais nous voulons simplement rester avec ce que le messager a dit. Amen. Départ secret soudain de l'église, prêché du 12 octobre 1958, au paragraphe 162. Frère Branham dit, Dieu a un homme en poste dans ce tabernacle ce matin. Amen. Qui? Le Saint-Esprit. Donc Dieu a un homme. Donc il commence d'abord, Dieu a un homme. Amen. En poste. Amen. Dans ce tabernacle ce matin. Amen. Hein? On continue? Il s'appelle le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit c'est un homme. Voilà. Abraham qui le dit. Hein? Voilà. Nous disons avec vous. Yes. Donc le Saint-Esprit c'est un homme en poste où dans le tabernacle. Là nous sommes d'abord Abraham tabernacle. Voilà. Donc le poste dont Abraham dit c'est à la chair. Voilà. Abraham était là à la chair. Il dit que ce matin Dieu a un homme et hein, il s'appelle le Saint-Esprit. Frère Branham me dit, il connaît les secrets de votre cœur. Il connaît tout ce que vous avez fait. Ou ce que vous pensez. Ce n'est pas Branham. C'est le Saint-Esprit. Amen. Il rapporte au Père tout ce que vous faites. Amen. Il apporte les messages. Amen. D'un côté à l'autre. Amen. Donc c'est le Saint-Esprit qui est en train d'apporter les messages d'un côté à l'autre. Mais le Saint-Esprit, c'est un esprit. Amen. Maintenant, il faut une bouche. Le Saint-Esprit doit avoir une bouche. Amen. Il doit avoir une bouche maintenant Amen. Pour apporter ces messages. Amen. Et la bouche du Saint-Esprit, c'est William Amen. Marion. Amen. Disons les choses claires. Amen. La bouche du Saint-Esprit, oui. C'est William Marion Branham. Il est en train d'apporter les messages d'un côté Amen. À l'autre. Amen. C'est lui l'homme que Dieu a mis en poste dans ce tabernacle ce matin. Amen. Il apporte le message. Amen. Le message, quand il l'apporte, le peuple l'écoute. Amen. Donc aujourd'hui, Amen. Si nous avons un quartier général, Agapao Tabernacle n'a pas un compte à rendre à un qui que ce soit. Parce que nous n'avons pas un quartier général aux États-Unis. Nous aimons nos frères de là-bas, ils sont nos frères. Nous aimons nos frères de Kinshasa, ce sont nos frères. Nous aimons nos frères de l'Allemagne, ce sont nos frères. Mais si nous avons un quartier général, le frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la conférence d'aujourd'hui. De savoir que non, quand il y a les troubles dans nos églises, nous devons voir qu'est-ce que le messager a dit. Qu'est-ce que le prophète a dit. Ce n'est pas que non, l'autre a dit, oh, il y a un huitième. On regarde dans la Bible, il n'y a pas de huitième. La Bible dit que Dieu n'avait que sept étoiles. Dans sa main droite, il n'avait que sept étoiles. Maintenant, toi qui dis que tu es le huitième, tu es dans quelle main? Tu es dans quelle main? Au Bimeliwapi, tu es dans la main du diable ou quelle main? Parce que dans la main de Dieu, il n'avait que sept étoiles. Et nous connaissons aussi leur nom. Nous connaissons leur nom, nous pouvons les citer. Mais si toi tu es le huitième étoile, la huitième étoile de Dieu, non, là nous n'allons pas te dire non. Nous ne le savons pas, nous ne connaissons pas huit. Nous avons que sept étoiles. Et parce que si nous sommes à la conférence, nous voulons que nous puissions garder les résolutions de la conférence. Et Frère Branham me dit, comme ces gens, ils maintiennent la victoire. Nous aussi, quand nous connaissons les résolutions de la conférence, nous devons garder la victoire. La personne ne viendra nous troubler. Parce que nous avons les livres du maître entre la main. Donc, toi tu es en train de lire, nous aussi on est en train de la lire. Et ici à Capal Tabernacle, Dieu aussi a un homme en poste, c'est Salem. Amen. La sentinelle d'Agapao Tabernacle, c'est le pasteur Salem. Amen. C'est Dieu, le Saint-Esprit, madame, dit que quand le Saint-Esprit descend, Amen. Il passe par lui. Amen. Et lui, quand il se tient ici, Amen. Nous tous nous sommes là, nous disons Amen. Quand il dit quelque chose qui n'est qu'à la compte de la parole, nous venons avec un respect. Voilà. Cher pasteur, voilà. Ce que toi tu as dit là, voilà. Mais le prophète n'a pas dit ça. Voilà. Où est-ce que toi tu as trouvé Amen. Ça? Avec tout le respect. Amen.
devons dépendre, donner des conclusions de la conférence, de tout ce que nous avons dit ici à Gapa, comme on a voté, on a les administrateurs, bon, on donne les rapports au quartier général, que non, nous avons autant des administrateurs, autant de huissiers, autant de conducteurs de champs, il n'y a pas ici. Parce que nous sommes une église établie. Une église souveraine. Et Frère Banam maintenant nous dit, comme nous connaissons toutes ces choses-là, la seule chose à nous maintenant de faire, c'est quoi? C'est de venir dans la parole. De celui qui n'a pas le Saint-Esprit, alors que nous voyons les rideaux du temps, les poteaux indicateurs en train de clignoter, c'est de venir maintenant ici à l'autel. Parce que c'est le problème du péché. Et nous ne voulons plus entrer dans les péchés parce que le temps approche. L'enlèvement approche. Le fils de l'homme est déjà venu. Nous avons lu. Ce que nous attendons, nous n'attendons plus le fils de l'homme. Mais nous attendons l'enlèvement. Et il a prêché. Et regardez les titres. Les départs. Secret et soudain de l'église. Les départs secrets et soudain de l'église. Donc ce que nous attendons ces départs-là. Mais ces départs, ça peut venir à n'importe quel moment, comme le pasteur nous le dit. Parce que c'est lui la sentinelle ici. Ça peut venir même comme nous sommes en train de prêcher maintenant. Que ça, l'enlèvement a lieu. Et maintenant, si l'enlèvement a lieu maintenant, comme nous sommes en train de parler, est-ce que ton cœur est en ordre avec Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es en ordre avec Dieu? Alors que nous sommes dans la conférence. Alors que nous sommes en train de discuter sur les problèmes du péché qui a été déjà résolu, dont nous sommes des conférenciers et que nous devons regarder les résolutions. Garder les résolutions de la conférence pour que nous puissions avoir toujours la victoire. Amen. Sans cela, nous serons toujours en défaite. Amen. La parole nous dit de garder la victoire, c'est ce que nous avons dit. Amen. Et ce que nous avons dit, c'est la parole. Et la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu dans ces temps-là, feront des exploits. Mais le monde veut voir les exploits parmi nous. Amen, amen. Alors que nous disons que nous connaissons notre Dieu, alors que nous connaissons la parole, mais où sont les exploits dont la Bible a parlé dans notre vie? Alors que nous devons amener des gens à l'église, nous devons amener des gens à croire la parole par notre vie. D'autres peuvent être amenés sans même qu'on puisse leur apporter la parole. Amen. Vous allez à l'école. Là où vous allez, comment vous vous comportez à l'école? Et ils viennent en pantalon, vous aussi vous allez en pantalon, parce que vous ne voulez pas qu'on puisse se railler de vous. Alors que vous vous dites que non, vous êtes des enfants de Malachie 4. Et ils font des compromis, vous aussi vous êtes dans des compromis. Dans le vol, vous aussi vous êtes dans le vol. Dans la prostitution, vous aussi vous êtes dans la prostitution. Et vous venez aussi suer l'église des dieux vivants. Frère Banam dit que nous avons besoin des hommes à la chair qui n'ont pas de gants pour apporter la parole, amen, pour éradiquer le péché dans l'église, afin que le Saint-Esprit de Dieu puisse s'émouvoir pleinement dans les gens. Amen. C'est dont nous avons besoin cet après-midi dans cette conférence. C'est encore l'Esprit de Dieu qui doit venir en nous et mettre les souillures dehors, mettre tout ce qui n'est pas la parole dehors, afin que Dieu puisse se déverser. Parce que le monde attend. La Bible dit que le monde, la nature attend la manifestation des fils et filles de Dieu. Qui sont ces fils et filles de Dieu? Mais c'est vous qui m'écoutez cet après-midi dans cette conférence. C'est vous qui êtes là assis dans cette conférence. Vous devez être manifestés. Vous devez être des panneaux publicitaires. Parce que le monde veut vous voir. Le monde veut nous voir. Alors que si nous qui sommes des chrétiens, nous ne vivons pas la manière des chrétiens, comment devrons-nous forcer les païens? Menons une vie correcte. Une vie de sainteté, et Dieu sera au rendez-vous pour bénir tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Avez-vous aimé la parole? Donnez encore une acclamation. Qu'avec ce que Malachie 4 a dit. Parce qu'en dehors de sa frère, Dieu n'est pas avec vous. Et les gens se moquent, ils se disent, ah, ils sont que ceci. Non, nous, on veut rester que là. Voilà. Donnons une acclamation au Seigneur. Ah, que Dieu bénisse notre frère.
Gauchel pour ce message si puissant. Et je le crois que ça a béni nos cœurs, Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons prier. Il y a une demande de prière pour notre sœur Monique Kandakanda qui est hospitalisée à l'hôpital Erasme. Frère Raoul, je crois, qui est en contact avec elle. Elle a aussi parlé au téléphone. Malheureusement, on ne permet personne d'aller la voir à l'hôpital. Mais nous avons un Dieu. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Notre Dieu n'est pas limité. On ne va pas lui limiter d'entrer là-bas. Il entre partout, il est partout. Est-ce que vous croyez à ça, non? Alors, nous allons chanter un cœur et chacun va prier. Un petit cœur de vie. Comme ça, nous allons entrer dans la prière. Et nous allons prier pour ça, les filles. Merci. Oui,